Salut, alors aujourd'hui je te présente la surjeteuse Jack de chez Couture par Bonheur. J'ai eu la chance de la tester durant les 2 derniers mois. C'est une surjeteuse qui est industrielle et automatique. Alors elle fait plein de choses que j'ai jamais vues avant sur une surjeteuse industrielle, comme couper les fils, puis c'est ça, contrôler avec le pied. Fait que je vais te rapprocher pour que tu vois un peu mieux les fonctions, qu'est-ce qu'elle fait. Puis c'est ça. Alors pour le moment, je vais changer les fils de couleur. Comme ça va être une couleur un peu plus contrastante pour que tu vois bien la couture. Puis moi, sur les surjeteuses industrielles, ben même sur les surjeteuses régulières, comment que je procède? Vu que des fois, c'est plutôt complexe à enfiler contrairement à une machine à coudre ordinaire. Alors je vais venir couper les fils ici de mes couleurs qui étaient là avant. Puis je vais tout simplement venir faire un bon nœud avec les nouvelles couleurs que je mets. Puis ensuite de ça, je vais tirer les fils, puis en libérant les disques de tension. Comme ça, les nœuds vont bien passer. Puis il va juste me rester les aiguilles enfilées à la fin. Alors, je te montre comment je le fais. Alors, ma machine est enfilée. Maintenant, je vais l'ouvrir. Tu vas voir, comme les autres machines Jack, c'est une machine qui est électronique. Alors, elle parle aussi. Elle est réglée en anglais parce qu'il n'y a pas l'option français. Mais aussi, tu pourrais juste désactiver tout ce qu'elle dit, là, si jamais ça t'énerve trop. Mais moi, je le laisse parce que même si elle parle, ben, en même temps, souvent, elle va me guider dans... comme par exemple redescendre mon pied ou des trucs comme ça. Fait que je préfère garder sa douce voix. Alors, c'est parti. On va l'ouvrir. Welcome to use Jack's sewing machine. Wish you a happy work. Alors, voilà. Alors, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'il y a une lumière intégrée. Je pense pas que je l'avais dit pour les autres, pour l'autre machine, mais c'est vraiment la première fois que je vois ça intégré sur des machines industrielles. Fait que je trouve ça vraiment pratique de pas nécessairement besoin d'avoir une autre lampe d'appoint à côté. Fait que pour ça, c'est vraiment cool. Puis, c'est ça, il y a aussi une comme de petite visière de protection pour les mains qu'on peut venir mettre là vis-à-vis de l'aiguille. Mais c'est ça, c'est sûr que ça bloque un peu la vision. Moi, je préfère pas l'utiliser, j'étais assez habituée, mais des fois, quand on commence, pour avoir une meilleure protection, c'est mieux de le mettre. Puis c'est ça. Fait que je vais rapprocher la caméra pour que tu vois de plus proche. C'est la Jack C4. Comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est une surjeteuse à 4 fils. On peut aussi l'utiliser à 3 fils. Alors, la 4 fils, il y a 2 aiguilles. Puis il y a le looper en haut, en bas. Je vais te montrer l'intérieur. Alors, ça se soulève ici. Comme ça. Là, c'est un petit peu sale. Puis ensuite de ça, ici, ça va s'ouvrir. J'aurais dû la nettoyer avant. Mais ici, ça va s'ouvrir. On a le schéma. Je sais pas si tu vois. Attends, je vais reculer un petit peu pour que tu vois mieux. Alors, il y a le schéma ici à l'intérieur pour nous indiquer comment l'enfiler. Sewing bed protection on. Il y a même ça aussi qui s'enlève. Tu vois, maintenant, elle a dit qu'il y avait la protection qui était on. Alors, vu que j'ai enlevé ça, même si je pèse sur la pédale, je peux pas coudre. Alors, c'est ça. Alors, pour l'enfiler, toujours mieux, on s'entend de l'éteindre lorsqu'on fait l'enfilage pour être sûr qu'il n'y a pas d'accident. Mais comme tu as entendu, elle est venue toute bloquer le mécanisme. Alors, ça, c'est vraiment pratique. Il n'y a pas ça sur toutes les machines industrielles nécessairement. Puis, c'est ça ici. Tant qu'elle est ici, je vais te montrer. Il y a un petit bouton ici qu'on appuie en tournant la roulette. Puis, ça va venir nous guider sur la distance des points qu'on veut. Si on veut un surjet qui est beaucoup plus rapproché ou plus espacé. Fait que c'est quand même assez facile à régler. Tout simplement en appuyant, puis en regardant le chiffre qu'il y a sur la roulette sur le côté. Pour cette partie-là. Alors, maintenant, je suis venue la replacer comme il faut. Ici un petit peu. Comme ça. Alors maintenant, je vais être prête à coudre. Ah oui, l'autre chose que je vais te montrer pour l'enfilage des aiguilles, ici on va venir tasser le pied, alors en arrière, comme ça. Même chose, il y a la protection lorsqu'on enlève le pied. Alors on peut pas coudre, on peut pas se blesser non plus. Ce qui est vraiment bien. Puis quand on le remet, oups,
La seule chose, on le remet, on va écrire « Peser sur programmer », puis là, c'est revenu normal. Alors, t'as le panneau de contrôle ici, t'as le « Reset », la vitesse que tu peux venir ajuster, la lumière aussi. LED light up. Alors là, la lumière est au plus fort. LED light down. Tu peux la descendre. Moi, je vais l'éteindre parce que je trouve que ça fait trop de reflets pour la vidéo. Mais j'aime vraiment ça, le fait qu'on a la lumière intégrée dans la machine. Ensuite de ça, tu as la langue que tu peux venir changer, la vitesse, je te l'ai dit. Puis ensuite de ça, tu as les modes. Alors, tu as le mode automatique, semi-automatique ou manuel. Tu as ici pour décider de couper les fils au début, à la fin de chaque surjet. Ou tu as ici le pour lever le pied automatiquement. Il y a des sensors, il y a des petits œils. Alors, si je passe mon doigt ici, voilà, ça va coudre automatiquement. Alors, je vais te montrer le mode full automatique. J'appuie même pas sur la pédale. Puis, c'est ça. Fait que tu vas voir ce que ça fait. Alors, c'est parti. D'accord. Alors, avec les sensors, ils savent que tu es au début d'une couture, puis jusqu'à la fin. Alors, ça va couper le fil automatiquement au début, puis à la fin. Tu peux aussi décider de la longueur que tu veux avoir, ben, de la longueur de fil que tu veux garder au début, puis à la fin de chaque couture. Fait que c'est vraiment pratique pour ça. Mais c'est ça, le mode automatique, est, si tu fais pas de la grosse production, je pense qu'il est un petit peu, il peut faire peur un peu. Là, au moins, j'avais réglé la vitesse au plus bas. Je vais remettre la vitesse au plus haut. Speed up, speed down. Speed up. 7000. C'est le plus haut. Alors, juste pour te donner une idée de la vitesse. Oups, j'étais allée trop en angle, j'avais trop peur pour mes doigts. Alors, c'est ça que ça donne ici, comme ça. Ensuite de ça, on va changer de mode. Semi-automatic mode. Alors là, j'ai mis le semi-automatique. Alors, semi-automatique, je vais contrôler la pédale avec mon pied. Alors, je vais venir peser sur la pédale avec mon talon, comme sur les machines régulières, je te dirais. Là. Ben, sur les machines industrielles automatiques. J'appuie avec mon pied sur la pédale, puis ça va venir coudre. Puis, c'est venu couper quand même mon fil à la fin, à la longueur désirée, comme ça ici. On le voit quand même bien. Ensuite de ça, si je vais avec le mode manual mode, le mode manuel, alors je vais venir soulever encore avec mon pied la pédale, je vais venir coudre, puis je pourrais venir aussi avec mon pied couper le fil si je veux, comme ça là je l'ai coupé avec mon talon, avec la longueur que je voulais. Fait que tu peux venir couper le fil avec ça, avec ton talon, ou tout simplement le garder automatique. Alors, à chaque fois qu'on doit venir changer soit automatique, semi-automatique, il faut tout le temps appuyer sur P pour programmer. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Ben, il faut faire attention. Faut juste se souvenir de ça. Puis, je vais me mettre en mode semi-automatique. Je fais programmer. Puis, puis c'est ça. Alors, mais je pourrais enlever, par exemple, le pied qui lève automatiquement. Alors, j'appuie ici. Mais il ne faut pas que j'oublie d'appuyer sur « Programmer ». Alors là, ça va être moi qui va contrôler. Puis, c'est ça en gros. Fait que ça fait vraiment un beau surjet à quatre fils, comme ça ici. Comme j'ai dit plus tôt, on pourrait enlever une aiguille, puis un fil pour faire le surjet à trois fils. Puis, c'est ça en gros. Fait qu'ici, on a la petite chute de tissu. Fait que moi, j'aime vraiment le... Comme j'ai dit plus tôt, là, le fait qu'il y ait un clicker puis la lumière LED light up. Qui est intégrée. Puis comme j'ai dit, si on veut, on peut aussi désactiver la voix. Mais moi, je la trouve pratique parce qu'elle nous guide. Peu importe si on retire le pied, ça va bloquer puis tout ça. Fait que c'est comme un bon guide pour nous dire qu'est-ce qui est activé ou non. Alors, ça coupe le tissu en même temps de coudre. Il n'y a pas comme de petits récipients. C'est vraiment une petite chute, comme une petite glissade. Puis tu mets une poubelle au bout. Puis c'est ça, fait que ça se remplit super bien. J'ai vraiment aimé ça, c'était vraiment quand même super comme user-friendly au niveau
des boutons, puis tout ça, puis le fait qu'il y a quand même une certaine sécurité quand on ouvre la machine, même quand elle est allumée. C'est une machine industrielle, ça peut aller vite, mais le fait aussi qu'on peut ajuster la vitesse, c'est super rare sur les machines, sur les surjeteuses industrielles, qu'on puisse ajuster la vitesse comme ça aussi facilement en appuyant sur les boutons. Puis ouais, tout simplement la lumière intégrée aussi, c'est un plus pour moi. Fait que moi, je l'ai vraiment aimé. Si j'avais, comme je le dis à, je pense à chaque fois, si j'avais vraiment l'espace, j'aurais une surjeteuse industrielle au lieu d'une domestique. Tout simplement pour la puissance puis aussi la rapidité d'exécution, là. Ça va vraiment bien. Ce que j'adore aussi de la machine Jack, en fait, des machines Jack que j'ai essayé, là, c'est que là, elle est allumée puis elle fait aucun bruit. Contrairement à d'autres machines industrielles, que même juste quand tu allumes le moteur, ça va faire un bruit ambiant. Là, elle fait pas de bruit, elle fait juste un bruit quand on coupe, puis même le bruit quand on coupe, il est pas agressant, là. Je trouve que c'est smooth, là, ça va super bien. Fait que juste pour ça aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Je viens de mettre la vitesse presque au plus bas, puis là, j'appuie vraiment dans le fond. Fait que ça va vraiment doucement. Je vais te montrer là si je mets la vitesse au plus haut. Speed up, speed down. Speed up. Alors là, j'ai mis la vitesse au maximum. Ça va super vite. Faut faire attention à ses doigts. C'est pour ça que t'es mieux de mettre le protecteur si tu vas au plus vite. Mais même à celle-là, tu vois, j'étais encore au maximum. Puis, là, j'appuie presque pas sur la pédale, alors ça va doucement. Mais je peux facilement aller plus vite. Puis, tu vois, ça coupe tout le temps la fin de mon surjet. Là, je pourrais recommencer. Dans l'autre direction. Je voulais juste te montrer la vitesse la plus basse et la plus haute. Alors, c'est ça. Alors, je trouve que même si on est comme moins avancé en couture, c'est sûr que je suggère plus une machine comme ça quand on se met à coudre un peu plus. Soit même si ça peut être juste pour nous, pour avoir une machine performante, ou si on commence à faire un peu plus de production ou on coupe beaucoup plus pour. Ça peut être aussi ça, tout simplement pour la famille et les amis, si on se met à beaucoup coudre ou si on se met à faire des petites productions, puis à vendre, avoir notre petite boutique Etsy, puis etc. Alors, c'est vraiment. C'est tout. La seule chose que je te dirais de faire attention, c'est avec le petit couteau en arrière. Si tu places mal ton tissu, il pourrait venir couper ton tissu. Alors, c'est vraiment de se pratiquer. C'est ce que j'ai fait moi. Au début, je l'avais laissé vraiment le plus manuel possible. Je voulais vraiment apprendre à la connaître avec la pédale, tu sais, à quel point je dois appuyer pour que ça avance, etc. Puis de plus en plus, je me rajoutais des fonctions de couper le fil au début à la fin. Parce que je vais pas te mentir, la première chose que j'ai cousue, je pense que c'était comme tout activé, sauf la couture automatique. Il fallait quand même que j'appuie avec ma pédale. Mais. Ça coupait automatiquement le fil à la fin, puis je cousais quelque chose de plus d'arrondi, puis rendu à la fin, mon tissu était pas droit, puis c'est venu faire une petite encoche dans mon tissu. Une chance, c'était comme un peu un test, fait que c'est pas trop grave, mais c'est ça. Tu sais, je vais te montrer si tu fais pas attention. Tu sais, là, tu vois, je suis venue chopper, j'ai fait exprès de me mettre en angle. C'est venu couper mon coin. Fait que, faut vraiment faire attention. Mais comme que je dis, une fois que tu es habitué comment que ça va, tu vas tranquillement avec de couper les fils. Puis si jamais t'es pas. Ça te prend un certain temps avant d'être à l'aise, au moins c'est ça, cette fonction-là ici que tu peux couper manuellement le fil. Fait qu'en t'assurant d'être bien placé. Manual mode. Fait qu'en t'assurant d'être bien placé, tu peux venir le couper, puis t'es sûr de pas faire une erreur.
Alors, c'est ça. J'ai jamais eu vraiment de problème à ajuster les tensions. C'était tout le temps pas mal beau, peu importe le tissu que j'utilisais. Fait que pour ça, c'est le fun quand t'as pas à trop gosser après une machine, là. Fait que c'est ça. Souvent, les industriels sont assez bonnes puis réputées pour ça. Alors, c'est tout. J'espère que t'en as appris plus sur la Jack C4. Il y a une promotion en ce moment sur Couture Porte-Bonheur avec un code promo que je vais te mettre dans la description du vidéo pour 10% de rabais sur la machine. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne ou à nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qui se trame chez Espace Fabrique. Alors, c'est tout pour moi. Bonne fin de journée. Puis, enfin, bonne journée ou bonne soirée. Je sais pas, il va être quelle heure quand tu vas regarder la vidéo. Alors, à bientôt! Bye bye! N'hésite pas si jamais tu as des questions de m'écrire en commentaire, puis je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Alors, c'est tout pour moi. Bye!